Yeah. Alors, comme vous avez pu le voir, oui, c'est un son de cheval, ok, avec des bruits de reine qui galope pour s'en aller vers les cieux. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, vous avez été plusieurs à me dire d'utiliser le bruit d'un reine. J'ai fait quelques recherches et j'ai aucune idée de ce que ça fait un reine comme bruit. On dirait que ça fait plus des... Ça fait pas... On dirait qu'il n'y a pas un cri particulier que je pourrais vraiment utiliser pour faire un snap sur la fesse d'un reine. Donc ça va rester une fesse de cheval que je claque bien solidement, mais qui s'envole comme un reine. Pourquoi pas, un cheval qui se prend pour un reine. Alors, bienvenue tout le monde dans l'épisode numéro 5 de Minecraft Story Mode. Alors c'est parti, on est de retour par rapport à notre dernier épisode, bien entendu. Donc on devait en fait trouver Soren, je crois, qui allait en fait nous permettre de trouver la F-bomb, qui je crois devrait être assez puissante pour détruire ce gros connard de monstre de Wither, créé par notre bien-aimé connard, Ivar, je me rappelle plus de son nom. On va aller parler à Hildegard. You said you know how to activate the map? I'm very curious to see it. I've never actually seen it work before. OK. Elle a commencé la phrase genre « Bitch, please! » Et après, elle s'est repris. En fait, elle est vraiment curieuse. Il y a lui, Lucas. Ça fait longtemps que j'ai pas été y parler. Hey, Lucas? Holding up, Lucas? I'm all right. This has all been pretty intense. Mm-hmm. I feel like if I think too much about what's been going on, well, I'll just think I'm completely. On va le féliciter quand même. On est revenu, tout était en place, tout était parfait. Il a pu laisser les murs solides. Ça, c'est génial. Et déjà qu'on n'avait pas une très bonne ambiance, je préfère en fait tisser des liens pour que ce soit encore plus intense entre nous deux. Ok, donc en fait, mur transparent, on peut pas y aller. Et en fait, quand j'ai recommencé la partie, j'étais pas exactement là où je l'avais laissé, donc ça m'a un peu rappelé en même temps ce qui s'est passé. Et je me suis rendu compte, je garde vraiment, on va voir jusqu'à la fin de cet épisode, mais on dirait que ce sont vraiment plus dépêchés pour terminer celle-ci, parce qu'il y a vraiment plein de bugs, en fait, des espèces de bugs d'affichage à gauche et à droite qu'on retrouvait pas dans le premier épisode. Et je trouve ça vraiment dommage. Je sais pas si c'est parce qu'on paye pas pour les autres épisodes qui se sont dit « Tiens, on va pas donner le même effort. » J'en ai aucune idée, honnêtement. Bon, on va aller voir ce fraîchis de Magnus. Hey, Magnus. Hey, Small Fry. No shame in admitting you can't turn that thing on. It's very, very sophisticated. I'm going. I know what I'm doing. Voilà. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Bon. Allez voir Axel pour le féliciter, hey, Axel, hein? Good boy. I'm doing awesome. Glad to hear it, buddy. D'accord. Ok. On va aller au peintre. How are you, Petra? Fine. Ouais. You okay? We can talk about it later. Let's just do this map for now. Elle a vraiment l'air chamboulée, en fait. Bon. Donc je crois qu'il me reste plus qu'à aller sur l'estrade à poser l'amulette et me rendre compte que je peux pas savoir aucunement à quel endroit il est sur la map. Ils vont dire « Oh non, il est peut-être dans les tréfonds, comment on va faire pour trouver l'endroit où il est? Oh my god, il est incroyable. » Ah merde! Il y avait encore cette espèce de truc de... Pourquoi vous l'avez mêlé? Pourquoi? Bon, il me semble que c'était lui à l'avant, lui vers l'avant et toutes les autres poussées, si je me rappelle bien. Il devrait pas avoir changé l'ordre des interrupteurs, bien sûr que non! Ah! Alright, there's your light, my light. That's new. Ok. There he is. Soren had his fortress deep inside the mountains. After the order broke up. That's where he went to keep ça, je m'attendais pas à ça. Look, he invited me there a couple times, but it always seemed a little weird, right? It always seemed a little weird. Glad we can agree on. Ok, donc il est étrange. Il est étrange. I mean, I fuck that, on y va. There with him. Il y a pas de temps à perdre. Voilà, c'est ce qu'il disait. Ok.
Where the fuck is that? It didn't do that before. Are you sure it's working? Blue? That's Ivor! Huh? Ivor is going to Soren's. We need to move! Holy shit! It's not too far, we could probably make it on foot. Pas mort. Righteous! We'll get some rest and head out first thing in the morning. Avoiding all the nighttime monsters! If you had seen that monster, you wouldn't be saying that. We need to leave, now! Oui, tout de suite, pas le temps de reposer! On devrait partir tout de suite. Sinon, Ivan va le trouver en premier et ça va être la merde! Catching up with us, we should go now. An excellent call, Jesse. And far more decisive than either of us are being. What a coincidence that it's your plan! But fine. Parce que déjà, Magnus... je ne trouve pas vraiment très cool que ça, hein? Voilà. Aujourd'hui, ça va être un épisode un peu plus court, parce que j'ai beaucoup moins de temps ce soir. Bordel que j'ai hâte que décembre commence pour que je puisse avoir plus de temps à vous offrir. Ça va être super! Yeah! Enfin, ma chaîne va peut-être devenir un peu plus comme je le veux. Yo! Ouais, j'avoue, par contre, on allait, en partant tout de suite, on se retrouvait directement la nuit, ce qui est plutôt dangereux, mais qui offre quand même beaucoup d'action. Regular Iron Golem, huh? Leaving the creepers quaking in their boots. Are you making fun of me here? Honestly, I can't even always tell myself, but you seem all right. Kinda wish you had my back before, but whatever, still seem all right. Un peu sympa. What's the deal with your buddy Axel? Can't tell if he's awesome or a little bit of a dork. He's just a little doofy. Il est nul mais on l'aime. Oh, il est génial, il est génial. Hein? On doit il y a quand même un mono sourcil, hein, quand même. Bon, mais voilà. He makes me laugh and he always sticks up for his friends. Interesting. Very interesting. Then why didn't you listen to his plan to come get me? Was I just not your cup of tea? Ok, donc on est en anglais et français. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Ouais, on va dire ça comme ça. Tiens, juste pour te planter. Vous l'avez dit, ils l'ont fait vite ce putain d'épisode. C'est vraiment chiant. I've definitely heard that a lot. I'll try not to let it hurt my feelings too much. Well, just keep on your toes. Mm-hmm. Salut! Les zombies devraient vraiment se déplacer comme ça dans la version originale, ça serait vraiment cool. Avec la tête un peu croche. Vraiment génial. At least we're keeping ahead of the Witherstorm. Ouais, je préfère largement eux. Ouais, par contre, il y en a vraiment beaucoup, c'est incroyable. Ça sent le combat, poupée. Yeah! Arc, épée, on est prêt au combat. Are you ready, motherfucker? Ok, on y va pour lui. Ok, il y en a trois, il y en a trois. C'est génial, et... paf! Ok, next! Boom! Boom! Allez! Oh! Oh oui! Attends, il y en avait un autre? Non, d'accord, j'en ai juste deux. Celle-là va être un peu plus près. Boom! Juste deux coups, c'est incroyable! Et j'ai juste un épée en stone. Il va être quoi si j'ai un épée en diamant? Je vais même pas le toucher, je vais juste faire... il va mourir. On se pose convaincu. Allez, go, 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 c'est parti, come on! It has to be close, right? Not much farther, we can make it! Bon, ça grouillait quand même à un seul endroit, mais c'était quand même pas si mal quand tu y penses, hein, non, mais tu sais... Ouh! Ouais, mais ils ont dit qu'il était bizarre tantôt. Ça va? Elle va se transformer en zombie. Elle commence à être malade. Elle fait de la fièvre. Elle va devenir toute blanche et verte. Yeah, and I'm really not feeling those columns.
Ah, come on! It's fine! Look! Je parie qu'ils vont accrocher un truc. Non? Just don't fall, okay? Come on, t'as fait pire que ça, Robin. Oh, that is deep. That is very oh, ça sent le mouvement rapide que je vais devoir faire. Pour ne pas me péter la gueule. Yep! Yep! Encore un petit coup! Encore un petit coup! Whoa. Fuck! Hey, j'ai pesé! What? Je suis vraiment tombé! Salut! Oh man, we've got Enderman. Holy fuck! Ok, au moins je suis pas toute seule. Oui, bien sûr. Les meilleures excuses pour se rattraper, c'est génial. En fait, je suis presque convaincu. Merci d'être revenu. Ils sont où les autres? Il était juste à crier ton nom, espèce d'attardé. Holy fuck! Vraiment sûr que je peux débattre. Wow! Holy shit! Ça a pris une tournure que je m'attendais vraiment pas. Heureusement, t'es dans l'eau, mon ami. Ribbon, ribbon, ribbon! Saut, 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 saut! Fuck! Wow! Bon, moi j'entends mes amis. On arrive au même endroit, mais on a juste pris des chemins différents. Wow! Mais ça aurait été cool en fait que ça. Je sais pas si ça a vraiment eu un impact quelconque, à part que j'ai fait le saut en voyant les putains d'Enderman, c'est incroyable. Wouh! Hey, j'aimerais en profiter quelques secondes pour remercier les gens qui s'ajoutent sur Patreon. C'est incroyable, je m'attendais vraiment pas à ça, honnêtement. Vous êtes à tous les jours, ils s'en ajoutent. Et là, j'en ai 4 nouveaux. Toujours des dons généreux, vous êtes hallucinants. On a Frédéric, Cédric, Allison et Marazan. Je crois, ouais, Marazan ou Marazan. Alors, merci pour ces 4 nouveaux. C'est incroyable. Waouh! Merci, 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 merci. Alors, si vous croyez que je vous ai pas nommé, c'est que je vous ai probablement nommé dans d'autres vidéos, parce que je note ceux que j'ai nommés et tout. Donc, allez écouter les autres vidéos, si vous croyez que je vous ai pas nommé. Oh, no. Ah, bah oui, je chicane encore. Incroyable. That's it. I'm going. See, I'm walking away too now. Super TNT, here I come. It's hard to pick glass half full when they keep kicking the glass over. And I thought they were doing so well. Yeah, I wouldn't go that far. Bickering is kind of their deal. But hopefully they'll work things out and get on with the important stuff. What are we going to do now? Il faudrait aller parler à chacun d'entre eux. Puis les rassembler maintenant. On n'a pas le temps pour du putain d'enfantillage. Fuck. Non, très sérieusement, je m'en vais voir Hildegard parce que l'autre espèce de Magnus de merde, il me fait chier. Donc, je préfère aller voir elle. Suive Hildegard. Allez, go! C'est parti. Petra, are you okay? I'm sorry. I don't mean to worry you. I've just got something I want to discuss with you in private. But let's split up. De moi. Je crois pas en fait. Ça a l'air assez pressant. I feel bad about ditching everyone else, but I just wanted to talk to you about this alone. It's a little tough to talk about. Hey, whatever it is, I trust you. You can tell me. Juste son espèce de toussement tantôt. Elle a un cancer, elle a un truc, elle est malade, elle va mourir. Got me away from the wither storm, but I'm worried that I didn't get away soon enough. What? It
It showed up not too long after you saved me. What happened? The Wither made you sick? Comment c'est possible? Do you know what Wither is? The Wither? Of course, we've been... No, Jesse. Just Wither. Or Wither sickness, I guess. No. And I feel like it's just gonna keep getting worse. Well, we're gonna go back and tell the others. We can get help. Fuck. You can't tell anyone about this. Est-ce que c'est contagieux? Holy shit! Creeper! Ça veut dire que c'est contagieux. Oh merde, t'es pas sérieux? Grab my hand, pull you up. Allez, allez, allez! Allez! Ah, t'es pas sérieux! Oh non, 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 non! Jesse, I just couldn't... I'm sorry. Jesse? Are you okay? Hey, you're the one that's sick. Take care of yourself first. I'll be okay. Okay. I got this. Stay safe. I'll find a way down to you. J'ai dit si elle avait un cancer tout à l'heure, mais c'est quand même quasiment à peu près ça qu'elle avait, hein? Une espèce de cancer du Wither, c'est incroyable. Bon, me voilà encore dans des espèces d'endroits sombres et peu rassurants. Attends, je vais quand même aller ramasser l'amulette, hein, c'est pas rien. Vous croyez qu'en... Peut-être qu'en tombant comme ça... Ça va peut-être m'amener directement à lui? Ou à une espèce de porte secrète, on va savoir. Noir comme dans le cul d'un ours. Heureusement que j'ai mon amulette pour m'éclairer au travers des intestins, parce que sinon je n'arriverai pas à trouver mon chemin. C'est beau raconter de la merde quand même, hein? Wow! Un tour de chapeau! Oh fuck! Je m'étais fait poser la question si mon chapeau de Noël, j'allais le garder pour mes épisodes tout le mois du décembre. Hein? Oui, voilà. Pour le mois de décembre. Alors, la réponse est oui, bien sûr. Chaque vidéo que je vais faire, eh bien, ça va aller avec mon chapeau de Noël. Salut. On dirait la salle à dîner d'Harry Potter. Il manque juste la grande table, hein, vous voyez, avec... Dumbledore ici. Vous voyez, non, mais imaginez quand même, là, avec quand t'arrives dans la salle avec les chandelles qui volent comme ça, et là t'as la grande table, ou ben les deux grandes tables, en fait, il y en a plus que ça, en fait, et avec toutes les chaises, et là ici au bout, là, t'as Dumbledore et toute son équipe, voilà, avec le chapeau, là. Je me rappelle plus du putain de nom, en fait, pour savoir dans quelle équipe que t'es, hein, le chapeau qui parle. Mais date, voilà. Alors, en fait, ce serait un chapeau comme ça, hein, qui parle. Alors, je pourrais savoir dans quelle équipe tu dois aller. Là, tu le poses sur ta tête. Gryffondor! Ouais! Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais... Oh! On peut voir qu'il y a une petite fente ici, secrète. Peut-être que je pourrais... m'y glisser? Confortablement. En fait, j'ai pas vraiment le choix. Donc, je croyais que j'aurais pu aller prendre mon chapeau, hein, pour savoir dans quelle équipe que j'allais être. Mais alors, il faut absolument que je passe par la petite porte. On dirait une salle du con. Vous avez vu la posture creepy qu'il y avait. Incroyable. On dirait Ivor. Sauron? Collecting them? En plus, j'avais lancé ça en joke tout à l'heure, que j'allais le trouver. You trying to interfere with my plans again, I see. What? Your tenacity is commendable, yet misguided. What are you doing down here? Being rudely interrupted by you, clearly. I'm here with the order to find Soren's super TNT. We're gonna take down your Witherstorm. The order? Believe me. That plan will blow up in their faces in more ways than one. They cannot help you. But me? I choose not to. Out of my way. Ah, espèce de canard. Move! Wait, but I...
Oh, you're not going anywhere. Ooh. Petra, you escaped? Ouais, et sûrement pas grâce à toi. Oh non. Foolish girl. Shut up. I don't care what you have to say. I'm just gonna tell Il ne peut pas quitter cet endroit. Pourquoi je dirais ça? Ok. Non! T'as même pas le contrôle de ton weather, espèce de vieille merde! Oh. Ça a passé proche. J'ai pas vraiment envie de me prendre une épée en pleine gueule. F! Spartan! Hein? Deux contre un. Ah, l'espèce de gros connard! I'm like the wind! What the fuck? Ooh. Holy fuck! I'll cut through you if I had to! Don't tempt your fate. Il va très très vite, mais en bout de ligne, je veux dire, c'est du vent, c'est incroyable. Tu vois Pete Rock qui est comme... Pas mal d'autres qui va super vite. Hein? Ça fait penser pratiquement à la scène de la Matrix. Et on laisse pas partir. Vanish all you want, slime ball. You're still not going anywhere. End of the rail, Ivor. We're not letting you get away with this. Oui, this one's on you, derrière nous, c'est sûr. Celui-ci est pour vous. Boom! Oh! Oui! Baf! Dans tes yeux! Jesse! Tu vas mourir! Will this parade of useless babblers never cease? What's going on? We found Ivor. We stopped him. Jesse did, anyway. False. You have stopped nothing. A query. Have you ever seen the effects of a splash potion of slowness? No. Bouch. Magnus and Illagard may think they can stop me, that they can destroy the Witherstorm, but they are mistaken, and it will cost them their lives. Next time on Minecraft Story Mode. In pursuit of answers. Déjà fini? All our heroes found in Sauron's armory was deceit and treachery. Locked in a dark chamber deep in Sauron's mountain, as the Order of the Stone rides off towards near certain doom, our heroes must ask themselves, would they find a way out of this dark tomb? Is there any way to cure Petra's wither sickness? Would they find a way to defeat the wither storm? Or will they remain trapped as it continues its ravenous rampage across the entire world? Only time will tell. Mais il était vraiment court. En plus d'être court, qui a été fait plus vite que le premier. Je vous jure, je veux dire, je suis pas fou, je suis convaincu. Waouh!
J'espère sincèrement que le prochain épisode va quand même être un peu plus long et un peu moins vite terminé. J'allais dire aujourd'hui, l'épisode va être plus court, hein, parce que normalement je fais des épisodes de 45 minutes, et je me suis dit, bon, je vais faire un épisode d'à peu près une vingtaine de minutes. C'est pas grave, de toute façon, le prochain épisode va être d'à peu près une quarantaine de minutes, ça va être parfait! Je m'attendais vraiment pas à terminer Waouh! L'épisode 2 maintenant, c'est... Ok! C'est... Voilà! On va attendre la sortie du prochain épisode et on va continuer ce putain de jeu! Donc si t'as aimé la vidéo, mets un like et abonne-toi pour ne rien manquer. Et surtout, partage avec tes amis, hein. Ça permet de me faire connaître, c'est toujours super plaisant. Regarde dans la description, il y a une tonne d'informations. Facebook, Twitter, mon site web, steelers.com. Va tous les visiter et abonne-toi si tu veux. Nous, on se revoit dans une prochaine épisode. Allez, sur ce, tenez-vous bien, je vous aime. Bye bye!